Et salut à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv, salut Sad. Et coucou tout le monde et salut Vanessa, es-tu prête à soniquer là? Oui, je sonique, je suis très content de retrouver ce petit personnage bleu façon rétro gaming. C'est ça. Mais sous une nouvelle version, parce que c'est un nouveau jeu, tout neuf, tout moderne, sauf que ils ont repris les graphismes De l'époque Mega Drive quoi, hein. C'est ça qui faisait le sel. Donc je vais reprendre une petite blague d'un de nos très chers auditeurs. Enfin, joueurs. Mais comment est-ce qu'un jeu Sega peut-il tourner sur une Nintendo? Alors je répondrai juste que tu as fait une hibernation de presque 20 ans. Parce que Sega a arrêté, c'était en 2001, en mars 2001, Sega a arrêté... Surprise! A arrêté la construction des consoles. Donc, personne a une culture jeu vidéo un petit peu réduite quand même. Un petit peu réduite, hein, je dois dire. Donc voilà. Donc, en tout cas, très très contente de vous présenter ce soir ce petit jeu fort sympathique où on retrouve ces petits personnages bleus. Et ouais, alors attends, parce que là dans Sonic Mania. Ah oui, c'est vrai, on a le boss. Donc alors, c'est Sonic Mania Plus, c'est-à-dire que... donc là, on est sur Nintendo Switch, hein, vous l'aurez très certainement remarqué. Graphiquement, c'est exactement la même chose que sur PC, PS4, One. Le jeu reste le même également, à la différence que... s'il s'appelle Sonic Mania Plus, c'est qu'il y a quelque chose en plus, en théorie, Vanessa. Normalement. Et, alors attends, comment je fais pour changer de... Ah voilà, comme ça. Ah oui, ok. J'avais pas encore essayé ce mode plus là. Et alors du coup, faut rechanger, j'imagine. Non, c'est un peu énorme, on est coincé. Ah oui. Ok. Donc voilà, ouais, on a un mode plus qui consiste en fait à donner plus de niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux inédits qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Et ce Sonic Mania Plus est considéré à juste titre par les fans de la série comme l'un des meilleurs Sonic depuis justement l'ère Mega Drive et Dreamcast, parce qu'on retrouve vraiment l'esprit voilà, original de Sonic. Et déjà c'est en 2D, parce que les Sonic en 3D, il n'y en a quand même pas eu des franchement mémorables, à part Sonic Adventure ouais, 2. Ouais, il n'était pas top. Generation, c'était génial quand même. Oui. Il y a eu des perles, hein, mais il y a aussi eu des gros ratages. En fait, c'est ça qui est un petit peu décevant avec Sonic. C'est qu'au contraire de Mario qui a su, toujours proposer... Dans la même ligne, dans la même régularité, on va dire. Il y a des Mario qui sont moins bons que d'autres, mais un Mario qui est pas très bon, ça reste un bon jeu vidéo. Alors qu'un mauvais Sonic, c'est un mauvais jeu vidéo. C'est ça qui est... toute la différence est là. Et c'est ça que Sega a pas réussi en fait à conserver tout au long des années. Et c'est dommage parce que une fois que tu perds la confiance c'est compliqué après, de la récupérer. Il faut rattraper les fans de la série. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident et surtout quand tu le fais de manière de manière sporadique quoi. Un coup c'est bien, un coup c'est nul. Du coup les joueurs eux n'apprécient pas du tout et ils savent jamais vraiment à quoi s'attendre quand il y a un nouvel épisode qui sort. Donc là on est du retour à la qualité et sachant que Sonic Mania c'était vraiment excellemment bien vendu, eh bien Sega s'est dit on va en exploiter un petit morceau de plus et on va ressortir une édition plus. Alors l'édition plus en fait moi je vous dis comment on a reçu le jeu, c'est donc Core Media, on fait un bisou aux filles d'ailleurs de là-bas. Oui. Merci beaucoup pour le jeu. Qui nous ont envoyé donc le jeu normal, c'est-à-dire un code pour télécharger Sonic Mania et un code pour télécharger un DLC qui s'appelle Encore. Donc j'imagine que le plus vient de là, c'est-à-dire que ça transforme votre version classique en version Sonic Mania Plus. Quoi. Et donc là, on est en train de faire justement les niveaux de Sonic Mania Plus. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus compliqué que les niveaux du Sonic classique. Ça va toujours aussi vite. Ça va toujours aussi vite, mais il y a plus Même visuellement. Mais il y a plus de danger en fait. C'est vraiment plus hardcore. Et du coup, voilà, ça augmente un peu la difficulté puisque les fans se plaignaient que le jeu était génial mais un petit peu trop facile. C'est vrai que ça équilibre un peu les choses. On va vous montrer de toute façon tout de suite après ce qui se passe quand on fait les premiers niveaux. Alors, pourquoi le jeu est aussi bon que ça aussi, Vanessa? C'est parce que... pourquoi il est aussi apprécié? Parce qu'on retrouve vraiment tout l'univers, comme tu disais tout à l'heure. Il y a la musique aussi. Il y a la musique, il y a même les mêmes mondes, tu sais. Là, machin, île, là...
je sais plus comment ça s'appelait. Don Hill, non pas Don Hill, je confonds avec un autre jeu. Enfin bref, ils ont repris un peu tous les niveaux, le casino. Ils ont repris aussi. Ils ont repris aussi. Vas-y, il va lui maraver la c'est tête. C'est quand il est bleu qu'il faut le maraver, mais il n'arrive pas, alors tant pis. La technique. Voilà, on a réussi à l'avoir. Et ce qui est cool, c'est que quasiment chaque niveau se termine par un boss en fait dans Sonic Mania. Alors ouais, qu'à l'époque, c'était tous les 2-3 niveaux. Là, c'est à chaque fois, donc ça met un challenge supplémentaire qui c'est est vraiment, sympathique. Vraiment appréciable. Je vais vous montrer ça parce que là, on est dans le. Non, le Green Hill, c'était ça. Je confondais avec Dun Hill. Dun Hill, tu sais ce que c'est des marques de clopes. Oui, Dun Hill, ouais. C'était rouge. Il y avait des Dun Hill rouges internationales. Les clopes de pétasse un peu. Oh, mais décidément. Enfin, de pétasse. Elles étaient très chères. Oui, elles étaient chères, ouais. C'est pour ça qu'on dit. Des copes de riches. Mode mania. Donc voilà, le mode mania, le mode bis. On a toujours le mode contre la montre, le mode compète. On peut jouer à deux. Les bonus où on va retrouver tous les bonus qu'on avait dans les jeux auparavant. Et je vais vous montrer le mode mania. Non, mince, qu'est-ce que je fais? On peut faire plein de sauvegardes différentes. Hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. Toutes les musiques aussi, ils ont gardé les mêmes. Ils ont refait quelques réorchestrations pour que ça rende beaucoup mieux. Mais voilà quoi. Donc là je suis au niveau Flying Battery. Et bon, moi ce que j'adore en fait, et c'est pour ça que le jeu je vais lui mettre une excellente note. Je pense lui mettre un 18 sur 20. Ah oui. Ouais parce que vraiment. Voilà, le seul reproche que j'ai, c'est que c'est peut-être un poil court, il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de on niveaux. On y joue combien de temps à peu près pour finir le jeu? Pour finir le jeu, tu peux peut-être y jouer 4 heures, tu vois, 4-5 heures. Ah oui, c'est. Et après c'est pas un jeu qui coûte non plus 60€. Hein, oui. Donc bon, je sais même pas d'ailleurs combien il coûte, ça doit être mais 20€. Mais c'est vrai que 4 heures, ouais, c'est pas... Ah, c'est pas énorme, après ça a jamais été très après, très long. Tu peux le refaire, ça voilà, tu peux le refaire, t'as le mode encore. Après le taf, une petite séance détente. Séance de Sonic. Avec Sonic, ça peut être sympa. Ça peut être sympathique. Et voilà, en tout cas pour moi c'est une très très bonne surprise. Je l'avais pas fait l'année dernière et tu vois... je regrette pas parce que maintenant c'est chose réparée, mais oui. je me dis que j'aurais. Il m'attirait pas plus que ça parce que ouais, moi comme je. Quoi, une bonne surprise. Ouais, je lorgnais plus du côté de. Je lorgnais plus du côté de Sonic. Merde. Yo, Jade. De Sonic. Mince, comment il s'appelait celui qui est sorti là? Tu sais, on a pareil, on l'avait fini en deux temps, trois mouvements. On l'avait testé sur Switch aussi. Ah, j'ai mangé son nom, mais il est sorti presque en même temps, il est sorti à l'automne dernier, mais c'est pareil, c'est pas Sonic Boom, celui-là, il était atroce. Le Sonic de l'année dernière, le Sonic 2017, et qui pour le coup, lui, m'avait bien déçu, parce qu'il était vraiment pas terrible. Donc là, voilà, on a quand même un Sonic qui est assez à la hauteur de... extraordinaire. De la saga. Voilà, hauteur de la saga Sonic, qui fait tout bien, tout ce qu'il propose, il le fait bien. Donc c'est un jeu que nous vous recommandons, chers amis. Très bien, et bien, je vais m'empresser d'aller essayer et jouer. Ouais, et bien écoute, alors, je te souhaite bon courage, Vanessa, pour y jouer, parce que c'est le genre de jeu, je pense, qui pourrait légèrement te crisper. Légèrement. Oh putain, j'ai encore raté. Hey, you're dead. Non, je vais le laisser jouer, je vais le laisser regarder s'énerver, en fait. C'est encore beaucoup plus marrant. Allez, on vous fait une bise, les gens, et on vous dit à la prochaine. Bisous.